Le dernier, ce sera lui, le vainqueur, ou l'Allemand Christian Allemann, Eric Lamaz, le Canadien, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio, pour ne parler que de son plus récent gloire. Champion olympique aussi à Hong Kong. Ouais, on sait que Fine Lady est un. Il me semble que c'est un cheval qui à l'origine était plutôt un cheval de course, qui a évidemment très jeune été réorienté vers le saut, mais ça veut dire que c'est un cheval qui a de véritables capacités. Jument très très rapide. D'ailleurs, exactement. Au début, il l'avait acheté pour en faire une jument de vitesse, parce qu'il y a plein de belles épreuves de vitesse dans les grands concours. Et puis, avec le temps, il s'est aperçu qu'en fait, elle valait mieux que ça, qu'elle pouvait sauter plus haut. Donc, maintenant, c'est sa jument de tête. Et, on l'a vu aux Jeux Olympiques, elle a fait vraiment. Elle a fait une semaine incroyable là-haut. Là, je pense que Christiane est en train de trembler un petit peu. Parce que... il est parti. Ouais. Très vite. Regardez, déjà plus d'une seconde d'avance. Voilà, et là, il a fait une foulée de main. Non, de toute façon, Eric est très rapide. C'est un cavalier extrêmement rapide. Voilà. Là, si ça tient jusqu'au bout, je pense qu'il peut. Voilà. Ouais. Ok, maintenant. Plus de obstacles. Ouais. Je pense que Christiane est en train d'avoir 2-3 petites sueurs. Allez, 43 ans. Ouais, il va les avoir. S'il passe, il l'a pour une demi-seconde. Victoire dans ce top 10 du Canadien Eric Lamaz. C'est la première fois qu'il remporte un top 10. Eric Lamaz, 6 cavaliers présents ce soir, avaient déjà gagné le top 10. Et bien pour lui, c'est une première, ainsi que forcément pour Fine Lady. Il avait terminé sur le podium l'an passé du Grand Prix du dimanche après-midi. Et bien cette fois-ci, il s'illustre en gagnant ce top 10. Magnifique victoire de ce très très grand homme. Hein. Ouais, non, c'est un mec qui est fantastique à pied, il est super rigolo. C'est un grand monsieur. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il est dans ce sport. Champion olympique à Pékin en individuel en 2008. Franchement, c'est. Et c'est en plus de ça. Non, puis il est rigolo, il a.